first, in the blue corner, fighting out of West Ham, Lennox Lewis. His adversary, fighting out of Atlanta, Evander the Je suis là pour veiller sur votre sécurité, mais je compte sur vous pour me faciliter la tâche. Pas de coup bas, pas de coup de tête, c'est bien compris? Alors on y va. Double punch-up. C'est assez surprenant, une telle différence de gabarit entre les deux hommes. Effectivement, difficile de croire qu'ils boxent dans la même catégorie. Enfin, je rassure nos amis téléspectateurs. Et ils sont nombreux. S'il est là malgré son gabarit moins imposant, c'est qu'il a d'autres qualités. Ne vous en faites pas pour lui. Lewis part de fou sans problème. Allez, double-moi un peu ce chat. Et un, et deux, c'est bon. Bon, dans le vide. Oui, ça part vite tout ça. Touché, et le voilà, qui remise. Bien lu par Lewis. Une belle droite au visage, on sent qu'il cherche à piler les coups. Superbe séquence, et ils se rendent coup pour coup. Bon, ça passe à côté, sans danger pour Lewis. Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. Et voilà, on le sentait venir ce coup. Mais Christian, il va le détruire s'il continue comme ça. Bon, il remise avec cette gauche. Voilà, ce round est terminé et il faut bien avouer que nous avons devant nous un boxeur d'une précision remarquable. Ouais, il a fait mouche à tous les coups. C'est impressionnant. Creuse l'écart, ne relâche pas. Bien vu le direct du droit. Droite qui touche en haut. Une uppercut d'une violence inouïe. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, la plus grande force de Lennox Lewis, c'est qu'il se connaît très bien? Oui, tout à fait, parce qu'après tout, on peut avoir le physique, on peut avoir la technique, on peut avoir le mental, mais si on ne sait pas comment utiliser tout ça, ça ne sert à rien. Alors, Lewis, lui, il connaît très bien ses qualités, mais aussi très bien ses limites. On arrive à la moitié de ce round. Bien défendu. Lewis bloque ce coup. Lennox Lewis expédie une gauche terrible. Il touche en haut avec sa droite. Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Les deux boxeurs avec le crochet. Gauche plongeante qui vient cueillir l'adversaire.
un grand classique, le jab doublé. Encore 10 secondes dans le deuxième round. Lewis part sous coup sans problème. Belle droite qui arrive, pleine face. Ah, il aime partir en contre avec cette gauche par-dessus encore. Ouh, solide ce crochet. Avec sa droite par-dessus. Nouveau coup qui arrive au visage. Oh, la gauche qui passe. La gauche plongeante, elle n'a pas fait de cadeau. Timing parfait, il cueille son adversaire avec la droite. Oui, il enchaîne bien. Enchaînement au niveau du buste. La garde reste bien en place. L'enchaînement qui arrive au visage. Avec les mains bien hautes, les coups touchent moins souvent. Ah, la droite de Lewis, c'est splendide tout ça. Comme ça, il y a de quoi être sonné. Il est bien en place défensivement. Tu frappes et tu te désaxes. Allez. La gauche très lourde de Lennox Lewis. Donc le coup et contre-attaque. Le crochet ravageur. Oh, c'est à côté. Le charme. Ça, il remise intelligemment. Et le troisième round qui se termine. Il passe de loin, chat-chat, droite, pied. Travail. Son point a pourtant dû lui dire de placer quelque coup en compte. C'est certain, mais encore faut-il qu'il en soit capable. Ce ne serait pas le cas d'après vous? Bah, disons que je le sens encore un peu timoré. Mais je pense que ça va venir. Pleine face, la gauche, bon timing. Une droite puissante au visage. Ça part en bas, c'est pas mal. Bien, bien, reprends-toi. Encore 1 minute 30 dans ce quatrième round. Ne disperse pas. La droite qui a dû faire des dégâts. Et le combat qui se termine sur cette victoire par KO. On se retrouve tout de suite pour la décision. Ladies and gentlemen, by knockout, your winner.